Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 décembre, c'est mardi. Je vous remercie d'être là. Je vais entamer mes prévisions pour janvier 2022 avec mes petites cartes. Par rapport à ce que j'avais dit sur décembre, j'avais noté des nouvelles restrictions du gouvernement. Alors c'est vrai que j'avais parlé de confinement. Alors c'est pas tout à fait ça qui est sorti. Mais bon, ma foi, pour trouver les restrictions complètement abracadabrantes que ce cher Castex nous a sorties, il fallait quand même se lever tôt. Là, j'avoue que je crois que personne n'aurait pu trouver les histoires de consommer assis et pas debout, enfin bref, etc. Bon. J'avais vu aussi, alors du coup, je me souviens plus, qu'il y aurait une accélération par rapport aux doses. Bon, effectivement, puisque le délai a été réduit à 3 mois entre, je ne sais pas regarder mes notes, hein, entre les deux doses, alors que ce soit celle entre la deuxième et la troisième, ou la troisième et la quatrième qui ne saurait tarder. J'avais vu aussi un appel général par rapport aux enfants. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont mobilisées, hein, que ce soit des médecins, des scientifiques, ou simplement des personnes. Donc oui, les enfants. Voilà, sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choses. J'avais quand même évoqué une femme ou des femmes qui parleraient. Et ça, je pense que c'est Natacha que j'ai sorti. Enfin, je l'ai sorti deux fois. Hein. Je l'ai sorti une fois dans la vidéo 59, y aura-t-il des élections en 2022? Et une fois donc dans mes prévisions sur décembre, mais sans entrer dans les détails. Bon, ok. Alors, on va voir un peu ce qui va bouger sur janvier. Donc, je prends mon jeu Résilio, qui est pas mal, je trouve. Éventuellement, je vais voir si je prendrai un autre jeu. Alors, on y va. Alors, sur janvier, on va essayer de voir. Alors, j'ai déjà une cabane qui vient de se ressortir. Enfin, de se retourner plutôt. Ça me fait penser de se mettre un peu à l'abri. Bon, ok. La question d'abri qui ressort pour une raison ou une autre. Ok. Donc, on va voir ce qui sort. On va faire janvier, hein, voilà, au niveau des lettres, au niveau du nombre de cartes. Et on va regarder, évidemment, la coupe. Alors, quelque chose qui ne fonctionne pas et un hamac. Alors, ça fait penser éventuellement à des grèves ou à des pertes d'emploi, comment on appelle ça, des démissions. Excusez-moi, j'ai toujours le mot en allemand. Il faut que je réfléchisse pour trouver le mot en français. Des démissions, voilà. Bon, des mises en repos, des choses comme ça. En tout cas, on a nettement des choses qui ne fonctionnent pas. Ok. Alors, on va essayer de voir. Hein. Alors, j'ai très bien dormi, donc voilà. J'ai rêvé quand même de vampires. C'est bon, c'est pas super comme rêve, mais enfin... Je fais des rêves un peu bizarres en ce moment. J-A-N-V. Alors, je sais pas, peut-être que vous aussi. Enfin, bon. Je pense que c'est les menaces que je ressens. Hein. Voilà, par rapport aux restrictions qui se font de plus en plus fortes. Bon, bref. Alors, on va regarder. On a quelque chose qui escalade ici. On a un parapluie. On a la question du temps. Ah, on a de la violence. On a quelqu'un qui téléphone, des gens qui se regroupent et éventuellement les questions de justice. Bon, ben, on a pas mal de choses. Hein. Alors, ouais. On va remettre des cartes dessus pour voir un peu plus, pour avoir un peu plus de détails. Je suis en train de réfléchir si je prends les cartes 2 à 2 ou pas. Disons que ici et là, tout de suite, ça fait penser à une escalade de la violence ou des contestations, hein, comme ça, intuitivement. Et ici, des gens éventuellement qui demandent conseil par rapport à des tribunaux, par rapport à des désaccords. Hein, on pourrait voir ça comme ça. Et les trois du milieu. Alors, se mettre à l'abri des gens qui se réunissent et la montre. Bon, pour moi, c'est nettement ici les personnes qui commencent à penser fortement aux élections, par exemple. Alors, ça peut être des groupements politiques ou des gens qui en discutent. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi les questions d'échéance pour une autre raison, par exemple entre les deux doses, hein, le temps qui court, et les gens qui essaient de se mettre à l'abri par rapport à cette échéance. Et donc, il y a des réunions. Enfin bref, c'est un peu ça que je ressens. Hein.
Donc un mois de janvier qui va être assez dans la contestation et assez mouvementé pour défendre ses droits, hein, puisqu'on a la fameuse loi du passeport Vax que vous savez. Bah oui, ils vont le faire passer, c'est sûr, hein, vous attendez pas autre chose. Hein. Ils sont déterminés, voilà, bon, bah, on sait où est-ce qu'ils veulent aller, donc on connaît leur plan. Hein. Donc faut pas s'attendre à ce que le truc ne passe pas. Si, il va passer. Bon, maintenant, je pense pas qu'il va durer. Alors, on a les questions d'enfants. Bon, ok, on va y revenir. Là aussi, ok, là et là. Ah oui, c'est donc très intéressant ce tirage. Bon, on va déjà commencer par les quatre cartes externes ici, puisque les questions d'escalade de la violence, hein, j'ai mis ces deux cartes en perspective, c'est bien par rapport aux enfants aussi, défendre les enfants. Vous les avez ici. Et là, eh bien, on voit bien que les trois doses, hein, c'est vraiment ça en fait, hein, font changer les gens au niveau de la conscience. Ils étaient d'accord pour la première, la deuxième éventuellement, mais alors la troisième ne passera pas. Même si, comme je l'avais dit dans un tirage, il y en aura toujours qui le feront, c'est sûr. Mais je dirais quand même que une bonne partie, alors sans trop m'avancer au niveau des chiffres, hein, une bonne partie de la population va être en désaccord avec cette fameuse troisième dose. D'où les questions de marteau ici. Hein. Et puis il y a la question des enfants. Ici, vous avez nettement des gens vraiment qui vont demander conseil à des personnes plus intelligentes ou plus, on va dire, qui ont plus de connaissances. Hein. Donc là, c'est vraiment la question des avocats. Et là, pour ma foi, refaire repartir un petit peu la vie, si vous voulez, en fait. Hein. Ça, c'est les choses nouvelles, le renouveau, l'espoir, etc., etc. Hein. Bon, on a bien des recours en justice ici. Et ça va s'accentuer. Ok, alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a les sceaux qui se resserrent. Bon, ben, c'est ce que je vous ai dit, hein, avec la troisième dose, ici et là. Alors, on a bien une question de solidarité ici. Ça, ce sont les gens qui vont se regrouper, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément, ou alors qu'ils veulent rester anonymes. Enfin, bon, ça peut être les réseaux sociaux, ça. Hein. Donc, ils vont être solidaires ici. Alors, par rapport à justement les taux qui se resserrent, que j'avais sorti dans d'autres tirages et où je vous avais dit. Évidemment que les restrictions allaient s'accentuer. Bon, ben ça, j'avais aucun doute à ce sujet. Alors, cette carte-là, je pense qu'il y a des gens ici qui vont se mettre en arrêt maladie, par exemple, hein, pour éviter de faire la troisième. Bon, ce que vous savez, quoi. Ça, c'est bien possible. Hein. Il y en a qui vont jouer la montre. Bon. Donc, on a de la contestation. C'est sûr, qui va se développer, qui va s'accentuer par rapport aux restrictions qui sont là. Voilà, une solidarité qui va se mettre en place. Ok. On va regarder un petit peu de façon plus précise si on va avoir des choses par rapport à la journaliste Natacha. Alors, j'avais déjà fait un tirage sur ce sujet, hein, mais c'est pas grave, étant donné qu'on arrive au mois de janvier bientôt, et qu'elle a parlé justement de faire une interview au mois de janvier. Eh bien, on va regarder ce qui sort. Voilà, s'il y aura des conséquences ou alors si ça va être un coup d'épée dans l'eau. Hein, parce que bon, qu'elle parle, c'est une chose, mais maintenant, il faut savoir ce qui va en découler. Alors, par rapport à l'action de la journaliste Natacha, qu'est-ce qui va en sortir? Alors, il y en a un ici que vous connaissez bien, que je ne nomme plus, qui commence à avoir un petit peu la trouille par rapport à une action. On va dire, de plusieurs personnes, au moins deux personnes, on va dire, hein, qui veulent faire bouger les choses. Bon, ok. Alors, on va regarder un petit peu par rapport, alors, à l'action de Natacha, hein, s'il peut y avoir enfin des choses qui bougent. Puis en plus, j'ai vu que le professeur F, qui a enfin été libéré, va aussi donner une espèce d'interview, conférence de presse, ou je ne sais pas trop quoi, au mi-janvier. Bon, alors par rapport à ce que ce monsieur dit, moi je n'ai pas d'a priori. Il m'a l'air d'avoir toute sa tête, même si, bon, à la fin, il dit des choses un peu bizarres, c'est vrai. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, il faut être très prudent. Il y a 2 ans, je crois que personne n'aurait pu dire ce qui allait arriver. Hein. Donc pourquoi pas, peut-être qu'on a des clones au gouvernement, je ne sais pas. Par contre, là où je le crois, c'est quand il dit que oui, il savait plein de choses par rapport au virus, etc. Ça, j'ai vraiment tendance à le croire, vu ses connaissances et son métier. Bon, après le reste, ma foi, on verra. Alors, il y a la montre ici.
Il y a le nom ici et il y a les choses qui s'accélèrent. Alors là, je suis sur l'action de Natacha. Alors, du coup, est-ce qu'elle est? J'espère qu'elle n'est pas là. On va essayer de voir où est-ce qu'elle se situe, Natacha, dans l'histoire. Parce que ça peut être soit elle, soit c'est son action par rapport à Caligula. En tout cas, ici, elle est observée, hein, c'est sûr. Un vent de tempête qui se lève, oui. Un danger en face, alors pour la personne d'en face. Ici, on a effectivement le gnome qui va certainement faire de la censure. Hein. Je pense, c'est ce qui me vient en tête. Hein, parce que la journaliste, Natacha, peut-être ici, même si c'est un homme, c'est pas très grave. Hein. C'est quelqu'un qui a plein de choses dans la tête, hein, plein d'écrits dans la tête. Hein. Et ici, alors, ça peut être encore Natacha, puisqu'elle est pratiquement au milieu. Hein, et puis c'est elle qui chante, c'est elle qui parle avec des personnes qui l'écoutent. Donc finalement, ici et là, on aurait bien le. Comment dire, l'adversaire, pardon, je cherchais le mot. L'adversaire, donc Caligula et voilà, et sa moitié, hein, qui sont là, qui sont un peu coincés ici, parce que le temps presse, et qu'il y a bien un poignard au-dessus de la tête. Ici, il y a vraiment une menace. Hein. Et en face, bah, ma foi, c'est bien ce qui risque de leur tomber dessus, à mon avis. Je pense que Natacha est ici. Elle est à la fois là et là. Bon, donc oui, elle va bien parler. Il y en a qui vont se trouver bien embêtés du fait de ce qu'elle va dire d'ailleurs. Hein. Alors, mais on a aussi le gnome. Hein. Bon, donc à quoi, comment ça va se. Enfin, qu'est-ce qui va arriver à la fin, hein. Comment ça va se révéler, comment dire, se finir tout ça, voilà. Excusez-moi, quand je suis concentrée, j'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai mon esprit qui est parti carrément dans les cartes. Et du coup, parler et puis sentir ses intuitions, les deux à la fois, c'est toujours un peu difficile. Alors, il y a quelque chose ici qui est réussi. Les gens qui vont parler. Ah oui, on a des cartes intéressantes. Bon. Donc là, pour moi, ce que va révéler Natacha, il y a plein de gens qui vont en parler. Alors, ça va faire polémique, en fait. Hein. Vous avez, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Donc, c'est les échanges, la polémique. Il y en a certainement qui vont dire oui, c'est vrai, non, c'est faux. Enfin, bref. Alors là, il y a une histoire de sacrifice. Hein. Je vous avais parlé déjà de cette carte-là. La signification de cette carte, elle est très puissante. On a vraiment quelqu'un ici qui baisse la tête, qui baisse les yeux, qui s'en va, qui abandonne un agneau. Pour moi, c'est un agneau en sacrifice, là. Donc il y a quelqu'un qui va être sacrifié. Et ici, il y a bien l'action de Natacha qui va porter ses fruits. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus ici. Puis après, on ira poser des questions. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête ici. Ah, il y a la fameuse soupe. Et là, il y a les menaces. Ouais. Bon. Ben, je pense vraiment que là, c'est le Caligula, hein, ici, qui est vraiment menacé. Qui se sent menacé ici. Hein. Alors là, on a les questions de dose de soupe. Et là, on a quand même quelque chose qui s'arrête. Bon, on va refaire un jeu pour en savoir un peu plus. En tout cas, ce qu'elle va dire, ça va faire le buzz, j'ai l'impression. Alors, éventuellement, on va poser des questions. Hein. Donc, ce sera plus facile. Alors, est-ce que les révélations donc, de Natacha vont provoquer un changement dans le gouvernement, hein, en d'autres termes? Est-ce que Caligula, ma foi, va partir ou bien autre chose, hein? Bon, voilà. J'avais dit qu'il était fichu, moi, quand même. Hein? Bon, donc on va regarder un peu ce qui va se passer. Il y a bien quelque chose qui réussit, en tout cas un but à atteindre, ou l'ascension vers un but à atteindre. Bon, ok. Alors, les conséquences des révélations de Natacha. J'avais déjà vu plus ou moins, mais là, on va vraiment essayer de rentrer dans le détail. Donc, par rapport au gouvernement. Ah, toujours la question de sacrifice, hein, qui ressort. Le magnétiste, la chose qui ne fonctionne pas, et la protection par rapport aux enfants. Bon, donc ça va bien provoquer un accident ou quelque chose qui s'arrête brutalement.
Alors, on est toujours sur l'action de Natacha, mais normalement, je suis par rapport au gouvernement et notamment par rapport à Caligula. Les papiers, la tambouille, hein, la soupe. Vous voyez, elle ressort ici encore, Natacha. Je l'avais sorti ça dans un jeu. Et là, curieusement, je n'avais pas été trop recouvrir la carte. Comme si, en fait, intuitivement, je sentais qu'il ne fallait pas en dire de trop. Hein. Enfin bon. Mais ça, c'est elle. Hein. Vous voyez, à chaque fois, elle est entourée d'un groupe de personnes qui la soutient. Donc, elle a aussi des appuis. Des gens qui sont de son avis, des partisans, enfin bref, et qui la protègent. Hein. Bon. Ok. Alors, pour moi, elle va aussi parler de tout ce qui est en rapport avec le virus ici. Il y a des choses qu'elle va dire à ce sujet-là. Ok. Alors, on va essayer de se concentrer sur lui, là. Hein. Que va faire Caligula par rapport à ce que va révéler Natacha. Voilà, on a la dose. Eh bien, écoutez, on a une mise à l'abri, là. Hein. Ouais, il va essayer de faire bouger les choses, hein, de les contester, mais bon, ce qui lui arrive dessus, c'est trop lourd. Il va pas pouvoir vraiment, comment dire, contrer les vérités qui vont être dites, parce que je pense pas qu'elle dise n'importe quoi, hein. Franchement, ça m'étonnerait, hein. Là, elle s'engage de trop, donc elle doit être sûre d'elle quand même, hein. On dit pas des faits comme ça, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que il y a vraiment des choses sûres sur lesquelles elle s'appuie. Après, évidemment, chacun peut être d'un autre avis. Enfin, en tout cas, ce que je vois ici dans mes cartes, c'est que Caligula va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à repousser ce qui lui arrive dessus. Et que ici, je le vois plutôt se mettre à l'abri, moi. Et alors là, il y a les questions de dose aussi. En fait, j'ai l'impression qu'elle va dire qu'elle va dire des choses qui vont aussi influer sur l'injection, parce que ça ressort ici et là. Alors, on va essayer de rester sur Caligula. Ouais, il va aller demander conseil à d'autres personnes haut placées, parce que les choses vont vraiment escalader, hein. Voilà, vous voyez, il ressort encore ici. Ouais. Ben, il va être dans une situation vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors, mais je ne suis pas sûre qu'il parte. En tout cas, démissionner, je ne crois pas. On va poser la question. Est-ce qu'il va démissionner? Alors, il y a des choses qui s'accélèrent. Oui, je vous dis, il va vraiment demander conseil, hein. Ça fait deux fois là. Il est au téléphone ici, il est au téléphone là. Parce qu'il y a des choses qui vont escalader, qui vont s'accélérer. Donc voilà, il va vraiment réfléchir. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, je n'ai pas de rupture. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait me dire? Les enfants. Bon, ça, c'est l'équipe du gouvernemental. Ok. Il y a toujours la question des enfants qui ressort. Donc, il va y avoir une concertation au niveau gouvernemental, très certainement. Hein, ils vont en parler en disant qu'est-ce qu'on fait, voilà, tout est découvert, enfin bref. Ouais. Ah, mais il va se faire disputer, hein, Caligula, là. Il va se faire drôlement réprimander. Hein. Alors, par qui, par contre, je ne peux pas vous dire exactement le symbole de cette femme, mais alors, ça peut être la France, hein, tout simplement. La France symbolisée qu'il regarde et qu'il critique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire-là, ça va faire l'escalade. Alors, par contre, je ne vois pas partir. Je vois plutôt se mettre à l'abri, moi. C'est plutôt ça que je vois. Ouais, alors il va essayer, voilà, exactement, se mettre à l'abri. Vous voyez, j'ai le jeu qui va dans le même sens que je suis en train de dire. Il va essayer d'ériger un mur pour faire blocage. Donc de se protéger. Il va vraiment essayer de se protéger. Par contre, partir, je ne crois pas. Mais est-ce que il pourrait abandonner sa candidature? Parce que ça, c'est une autre hypothèse. Alors, il se sent menacé et ligoté. Ouais. C'est plutôt ça. J'ai plutôt l'impression que moi, il pourrait abandonner sa candidature en tant que, voilà, à l'élection présidentielle, hein. Parce que là, il a ses chances qui étaient déjà pas très élevées, il faut bien le dire. Là, elles sont à moins que zéro, hein. Oui. Alors, est-ce qu'il va nous communiquer quelque chose?
Ouais, toujours les histoires de communication et d'idées. Oui, toujours les gens qui parlent, les gens qui parlent, les gens qui parlent. Voilà, il est montré du doigt. Et encore une fois, décidément, le jeu insiste. Ouais, non, mais il va. Alors, partir, oui et non. C'est peut-être une démission, mais je suis pas sûre. On va prendre un autre jeu parce que j'ai pas vraiment de carte de démission. Attendez, tiens, on va prendre le jeu de haut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être montré du doigt là et là. Donc il y a quelque chose qui fait que soit il va partir se mettre à l'abri, soit il va vraiment quitter ses fonctions. Il y a un truc là. Il y a une espèce de départ précipité, si vous voulez. Mais un départ précipité, ça peut être aussi simplement partir loin. Alors le clown avec la maladie, d'accord. Bon, ça c'est les clowneries de la politique sanitaire, n'est-ce pas? Bon. On va revenir sur le sujet. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il va faire. Alors, il y a les questions d'argent. Ouais, les questions d'argent. Oui, c'est ça. Il va aller chercher vraiment des soutiens financiers ou en tout cas des gens qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir. Et puis, il y a la question sanitaire qui ressort ici. Attendez, c'est quoi ça? Ah, accident. Bon. Bon, ben écoutez, moi j'ai l'impression que ce que va révéler Natacha, il va y avoir des conséquences sur Caligula lui-même, mais aussi éventuellement sur tout ce qui est sanitaire. Donc là, ça vaut le coup de refaire un jeu. Donc moi, mon hypothèse, c'est que soit il part, mais plutôt quand je dis partir, c'est plutôt se mettre à l'abri, c'est pas forcément démissionner. Et pardon, et il est bien possible qu'il ne soit plus candidat. Ça, c'est possible. Bon. On va regarder les conséquences sur la politique sanitaire. Est-ce que en janvier, on va avoir, donc, du fait des révélations de Natacha ou du professeur S, ça peut être ça aussi, est-ce qu'on va avoir des réactions? Hein, éventuellement, une action sur la politique sanitaire. On va voir. Alors, on a quand même des gens qui regarde quelqu'un ou qui le met à part et des gens qui se retrouvent ou qui dansent. Bon, c'est pas mal comme coupe. Alors, on va regarder un petit peu toujours sur janvier par rapport aux révélations des deux personnes, hein, parce qu'il faut que je prenne le professeur F aussi dans le lot. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je fais un tirage comme ça. Je ne sais pas, j'avais envie, on va voir. Alors, il y a les gendarmes, il y a les moutons. Ça fait longtemps que ce n'était pas sorti ça. Il y a le feu vert, il y a les obligations ici, hein, les restrictions. Alors déjà, en fait, ce que le jeu me dit sur janvier, là, en général, hein, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de contrôle de police par rapport aux restrictions. Hein, pour bien faire rentrer les moutons dans l'enclos. Donc il va falloir s'attendre à une atmosphère digne de la Seconde Guerre, hein, quelque part. Hein. C'est pas sympa. Hein. Alors, ici, on a des choses qui s'accélèrent. On va regarder ce que c'est, ça, parce qu'a priori, je ne sais pas. Des questions de nourriture. J'ai le chat qui vient de sauter sur la table. Ryu, tu es sage, s'il te plaît. Oui, toi, là, tu es sage. Ne vous le voyez pas, attendez. Hop, viens faire un petit coucou et après, tu t'en vas. Voilà, en gros plan, monte ta bouille. Voilà, tout le monde t'a vu, maintenant tu peux t'en aller. Hop. Bon. Alors, ça me fait penser aux questions de nourriture ici. Alors, il y a les prix qui vont augmenter, vous l'avez déjà remarqué, hein. Donc, mon petit conseil, quand je vous avais dit de faire des provisions vers le mois de juin, par là, hein, j'avais dû vous dire ça, ce n'était pas un mauvais conseil. Hein, même si on n'a pas vraiment de pénurie telle quelle, on a quand même une augmentation des prix. Donc, c'est bien si vous avez fait des petites réserves. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai fait des réserves de pâtes, etc. Voilà. Parce que là, il y a la question de nourriture. Je ne sais pas pourquoi il me sort ça comme ça. Ce n'était pas vraiment ma question. Mais bon, c'est une information importante. Donc, je prends. Alors, on va non seulement avoir des questions de nourriture, mais on va avoir des questions de chômage ici. Et on va avoir aussi la question des enfants. Je vous dis que janvier va être assez mouvementé, hein. Ça me paraît logique, hein, puisqu'il y a certainement des personnes qui vont être en situation de difficulté s'ils ne font pas leur troisième dose, certainement.
Et donc, ils peuvent être suspendus ou alors ils vont se mettre en arrêt maladie. Enfin, il y a quelque chose là. Ouais. Plus éventuellement les questions de nourriture qui sont importantes. Ouais, on a un mois de janvier qui va être chaud. Alors, on va recourir un petit peu, hein. Pour l'instant, je ne vois rien au niveau de la politique sanitaire qui s'arrête. Voilà, les gens qui... Pardon, les gendarmes qui vont aller contrôler. Alors, pas chez vous, hein, non. Mais dans certains endroits, oui. Certainement. Les cafés, les restaurants, enfin, ce genre de choses. Les endroits. En général, il va y avoir des contrôles. Ouais. Voilà. Exclusion, discrimination, vous l'avez ici. Ce que je connais, moi, déjà actuellement en Allemagne. Hein, ce que j'ai posté sur mon groupe, enfin, dans mon groupe, sur mon compte Facebook. Hein. Discrimination, bon, là, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose par rapport aux personnes âgées ici. Pourquoi ça sort? Et là, voilà, de nouveau les restrictions qui sortent. Je ne sais pas pourquoi j'ai les personnes âgées ici. On va mettre une carte. Est-ce qu'ils vont aussi nous... ah bah oui, ça doit être... attendez, il doit y avoir des trucs obligatoires pour les personnes âgées. Ouais, certainement. Ouais. Par contre, je ne sais pas exactement quoi. Peut-être pour aller les visiter, enfin bon, je sais pas. Il y a quelque chose par rapport aux personnes âgées là. Ouais. Les restrictions certainement pour aller leur rendre visite ou ce genre de choses. Enfin bon, je sais pas pourquoi ça sort. En tout cas, ça sort ici. Ok. Bref, on a donc des restrictions ici qui ressortent. Alors, on va poser la question. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans la politique sanitaire du fait des révélations? Ou est-ce qu'ils vont continuer leur cirque? Alors, il y a quand même le soleil, la tromperie et alors l'espoir ou l'étoile. Bon, il y a bien une tromperie qui est révélée. Bon, ça, c'est sûr. Et donc, il y a une petite lueur d'espoir. C'est ce que le jeu me dit. Mais un arrêt de tout ce bazar sur janvier, je n'ai pas l'impression. Alors, on va avoir des conseils. Voilà, regardez, vous avez la méchanceté, le tourbillon. Non, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont accélérer les choses, quoi. C'est tout, hein. Ils vont accélérer les choses, toujours par rapport aux conseils, aux directives. Alors, je ne vois pas les choses s'arrêter sur janvier. Pour moi, ça va mettre encore un petit peu de temps, quelques mois. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais ce qui est très bien quand même, c'est que le fait des révélations à la fois de Natacha et à la fois du professeur F. Ça va, comment dire, encore une fois, mettre en lumière la tromperie qui a été faite depuis 2 ans. Et donc ça, ça a aussi un impact sur les consciences, ce qui n'est pas à négliger. Hein, est-ce que le jeu peut me confirmer? Espérons que le jeu ne va pas être trop chaotique. Ouais, voilà. Il y a des gens qui vont être choqués par les révélations. Et alors, qui vont comprendre en fait qu'on les enferme. Hein. Ouais, il va y avoir des gens qui vont être choqués. Et alors, donc, ils vont comprendre la mise en boîte quelque part. Hein. On les a mis en boîte, on les a enfermés. Alors, les conséquences, j'insiste, j'insiste. La lumière au bout de l'escalier et les sacrifices. Alors là, on a une carte qui est difficile. Les sacrifices, c'est... Attendez, les sacrifices, il y a plusieurs sens à cette carte-là. Parce que la main tranchée, quand même, ça peut être le fait que les gens comprennent justement qu'on les empêche d'agir. Ou qu'on les a menés au sacrifice. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, les gens vont comprendre, la lumière qui s'ouvre, qu'on les a sacrifiés. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, ils vont réagir comment, du coup? Ben oui, il y a une prise de conscience qui va se faire. Bon, il y a une prise de conscience qui va se faire. D'où ce que j'avais sorti tout à l'heure. Alors, attendez, ici et là, voilà, avec certainement de la répression. Bon. Ça va être un mois de janvier assez houleux. On va avoir les révélations, comme je vous l'ai dit, hein, de la part de deux personnes. Des gens qui vont parler de plus en plus. Des contestations qui vont s'accentuer.
Mais la politique sanitaire, pour moi, ne s'arrête pas. Pas sur janvier. On va essayer de voir si on peut avoir encore un autre événement intéressant. On va prendre le grand oracle. Et je vous ai dit, hein, il va y avoir Caligula là qui va essayer de noyer le poisson, de se mettre à l'abri, mais le mal va être fait. Hein. Par contre, au niveau du gouvernement, ça ne va pas les empêcher de continuer. Hein. Bah, les gens, il faut le temps pour se réveiller. Hein. Ça fait depuis 2 ans qu'on les endort. Hein. Mais bon, il y a des gens dont je fais partie d'ailleurs qui depuis 2 ans, voyez le vent venir. J'ai mis beaucoup de mal à convaincre ma famille quand même. Là maintenant, enfin, ils me croient. Mais au départ, voilà quoi. Bon, pas vraiment. Hein. Et je crois qu'en fait, pour la plupart des gens, ça va être ça. Hein. Ils vont en fait commencer vraiment à comprendre ce qui se passe. Alors, dernier petit tirage avec le grand oracle. Alors, épreuve traversée hiver. Bon, ça c'est bien parce que l'hiver, on y est. Mais alors, l'hiver, ça dure quand même jusqu'au 21 mars. Hein. Bon, donc je vous dis, on a quelques mois encore. Hein. On a quelques mois à tenir. Hein, épreuve traversée. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va arriver sur janvier en mettant une carte au milieu. Voilà, celle-ci, vous voulez sortir. Pas que vous voyez bien, voilà. Alors, le choc psychologique, la nouvelle ou la bonne nouvelle, les petites fourmis, les choses de l'ailleurs et le chemin, donc le présent. Bon, là, c'est bien effectivement actuellement. Alors, on a des choses qui s'organisent, mais en rapport avec l'étranger et quelque chose qui va choquer. Alors, des choses qui s'organisent par rapport à l'étranger avec éventuellement une bonne nouvelle. Donc, on va regarder. Donc, ça, il va falloir s'attendre encore à des choses de. Ben, je pense aux États-Unis, moi. Hein, parce que c'est surtout là où on a des choses qui bougent beaucoup. De positif. Hein. Donc, on va avoir des informations aussi, certainement des États-Unis, je pense. Voilà. Les complotistes. Enfin, bon, les complotistes. On se comprend, hein. Moi, je ne vois pas ça de façon péjorative. Donc, c'est, on va dire, les gens qui révèlent la vérité. Voilà. Ou qui vont révéler des complots, des vrais complots cette fois. Alors, une bonne nouvelle qui va entraîner quand même pas mal de, comment dirais-je, de craintes. C'est un peu contradictoire, mais il y a, comment dire? Ouais, il faut que j'approfondisse là. J'ai un doute par rapport à cette carte-là. Alors, le travail, l'activité, ouais. Et là, la tour et l'observation, la défense. Ouais, alors. Donc, on va avoir des nouvelles importantes au niveau des États-Unis où il y a des choses qui bougent par rapport à la révélation de complots, de vrais complots cette fois. Mais alors là, on va regarder ce que c'est. Ça peut être certaines personnes qui hésitent. Et qu'est-ce que ça va changer pour nous, en fait, hein? Là, par contre, je ne sais pas. Mais ça va changer des choses. Crainte au niveau de l'épargne. OK. Des choses, oui, voilà, donc c'est rapide et en attente. D'accord. Je pense que ça va être Donald T qui va faire une annonce. Hein. Je me sens me souvenir qu'il devait dire quelque chose en janvier. Donc il va annoncer quelque chose d'important. Il va annoncer quelque chose d'important. Ce qui m'embête ici, c'est que j'ai quand même des choses au niveau financier. Crainte financière. Une bonne nouvelle, mais qui entraîne en même temps une crainte financière. On n'en a pas encore parlé des finances. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va annoncer, ça peut très bien entraîner une variation au niveau des marchés financiers où il y a quelque chose là, c'est curieux. Il va y avoir un impact. Il va y avoir un impact. Bon, en tout cas, lui, il va annoncer quelque chose d'important. Alors, les conséquences en Europe, qu'est-ce que ça va être? Découverte
des mesures et les questions de passe. Ok, donc ça veut dire en fait ce qu'il va annoncer, ça va être aussi en relation avec le passe, qui est excessif comme on le sait. Bon, bah dites voir, on va en avoir des révélations sur janvier, hein. Et tout ça, ça va tourner vraiment autour de l'injection du virus, des complots, enfin bref. C'est un mois de janvier qui va être chaud, hein. Ouais. Ok. Bon, que vous dire d'autre? Je vous ai donné pas mal d'informations déjà, hein. Pour moi, les choses continuent sur janvier, malgré toutes les révélations. On va reposer la question aux Bélines. Il y a des choses qui sont freinées, oui, on l'avait vu tout à l'heure, mais pas complètement bloquées. C'est pas pareil. On va regarder si l'action du gouvernement va être enrayée par les révélations. Hein, là, on va se mettre du côté du gouvernement. Alors, il y a, voilà, destinée et vol perte. Oui, donc il y a bien les histoires d'abus de confiance là. Hein. Ouais. Alors, est-ce que tout ça va continuer encore sur janvier comme je le pense, hein? Bon, on a bien les choses médicales ici qui vont être connues, qui vont être communiquées. Et ici, on a des gens qui sont sincères. Alors, départ. Ah, je dis, il y a quelqu'un qui s'en va quand même. On va voir ce que c'est. Il y a quand même des départs. Hein. C'est intéressant ça. Ouais. Stérilité. Ici, homme. Élévation. Alors, homme et élévation. Il s'en va, mais il y en a un qui s'en va, mais en même temps, il y a toujours l'élévation. Il s'en va ailleurs. Il va se mettre à l'abri. Hein. Attendez, c'est qui cet homme-là? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, non, c'est bien Caligula. Hein. C'est ça. Hein. Lui, il est bien. Sa situation, elle est touc. Elle est ruinée. Hein. C'est bien ça. Mais il y a quand même une mise à l'abri. Hein, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que j'ai quand même l'élévation. Mais il y a les ennemis dessus. Donc c'est ça. Il va se mettre à l'abri. Ici, pour échapper aux ennemis. Hein. Mais il s'en va. Hein. Il s'en va. Donc c'est ça l'action au niveau. Enfin, l'action sur le gouvernement, plutôt les conséquences sur le gouvernement. Par contre, pour moi, ils continuent leurs trucs médicaux là. Hein. Au niveau des limitations. Hein. Vous avez stérilité en face. Donc c'est bien les restrictions, hein. Limitation des plaisirs, stérilité au niveau des plaisirs, ça continue. Ça continue, mais lui, il s'en va. D'une façon ou d'une autre. Oui, parce que il y a des choses qui vont être découvertes par rapport à lui, hein. Croiser le fer, c'est ça. Voilà. Bon, bah ça c'est Natacha. Elle, elle est du côté de la vérité. Vénus, Jupiter, c'est une femme. Ok. Alors, je sais que vous vous demandez quand est-ce que ça va finir. Bah oui, je sais bien. Pour moi, ça va encore mettre quelques mois. C'est pas si facile que ça d'arrêter les choses. Il faut une union. On va demander au jeu, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses s'arrêtent? Je crois que je vous l'avais déjà sorti, ça. Hein. J'avais dit, il faut que les gens se réunissent, fassent union par rapport aux enfants. Parce qu'il y a un gros problème par rapport aux enfants, et pas que, hein, les ados, enfin bref, les jeunes adultes. Bref, je ne vais pas tout vous réexpliquer. Il faut que les gens s'unissent. On va te redemander, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça s'arrête? Alors, la liberté en route. La liberté en route. Le jeu me dit quand même qu'on est sur la bonne voie. On va demander, qu'est-ce qu'il nous faut? On va demander trois cartes pour que tout ça s'arrête. Ouais. Alors, faire blocage.
Vous savez, ici, les mesures du gouvernement avec les fioles, hein, ça ressemble, hein. Faire blocage par rapport aux enfants. C'est encore une fois, il faut s'unir par rapport aux enfants, il n'y a que comme ça. Parce que là, pardon, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Les enfants, c'est vraiment c'est le trait d'union entre les gens, les enfants. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais si les enfants sont touchés, là, c'est autre chose. Ça va trop loin, si vous voulez. C'est là où les gens vont sortir de leur réserve et de leur passivité. Voilà. Et vous avez encore ici la journaliste qui ressort. Vous voyez, faire blocage par rapport à la politique sanitaire et communiquer entre nous par le biais des réseaux, s'unir, surtout par le biais des réseaux, hein, parce que on n'est pas forcément proches les uns des autres au niveau géographique, mais les réseaux permettent de nous entraider pour bloquer tout ça. C'est vraiment la protection de l'innocence des enfants, des ados, tout ça, hein. C'est là qu'il va falloir s'unir, parler, il n'y a que comme ça. Autre chose, on va redemander encore une troisième ligne. Voilà, et montrer les coupables. Montrer les coupables du doigt. Ça, c'est les agneaux au sacrifice, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est les enfants aussi, attention, hein, parce que là, j'ai sur la carte des enfants et des ados. Hein. Ne les menons pas au sacrifice. Hein. Là, il y a une question de prise de responsabilité. Hein. Il faut vraiment montrer le coupable du doigt pour retrouver la liberté. Est-ce qu'il va falloir aller un cran plus loin? On va demander au jeu. Documentation, donc vraiment les témoignages, c'est important. Voilà, de nouveaux communications. Et il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il faut vraiment passer au cran au-dessus, là. Mais il faut se dépêcher, c'est vrai. Et d'un autre côté, de toute façon, on va se dépêcher. Oui. Il faut s'unir. Voilà. Bon, c'est une vidéo qui est de nouveau un peu longue. Décidément, je ne peux pas faire court. Je suis désolée. C'est comme ça. Bon, en tout cas, je vous ai donné pas mal d'informations, donc voilà, unissons-nous, parlons, bref, témoignons, etc. Merci pour tous vos commentaires. Alors, à ce sujet, rapidement, avant de vous quitter, faites bien attention à ce que vous m'écrivez. Hein, faites attention, je n'ai pas envie que ma chaîne soit straquée. Hein. Donc, il y a des commentaires que je vais moi-même supprimer parce que, parce que vous en dites de trop, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Et puis il y a certains par contre qui sont pas de mon fait, hein, qui sont enlevés par YouTube. Donc là, par contre, j'ai plus rien. En tout cas, encore une fois, quand vous écrivez des commentaires, écrivez en langage, on va dire, codé, hein. Voilà, ne donnez pas de nom. Utilisez des abréviations. Faites bien attention à ce que vous écrivez. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Mais mon horoscope 2022 arrive. Je vais le finir cette semaine. Et vous l'aurez donc si vous avez envie de regarder. Sur mon autre chaîne, je vous ferai un post à ce sujet. Merci beaucoup de votre fidélité et puis à bientôt. Au revoir.